Bonjour Bernard Beltante. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Beltante, co-auteur avec Philippe Jamet d'un dictionnaire inattendu des grandes écoles. Vous avez été directeur général de Aimion Business School, directeur général de Catch Business School. Vous avez organisé le rapprochement entre le SC Marseille et le SC Bordeaux pour donner Catch. Bernard Beltante, concernant ce présent et cet avenir des grandes écoles, question de la recherche maintenant. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer radicalement de paradigme, de sortir de ce publisher périche, cette fameuse bulle académique, beaucoup décriée, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas tout repenser pour repenser aussi l'éducation? Oui, alors je répondrai en essayant de revenir aux fondamentaux des grandes écoles. Un des fondamentaux des grandes écoles, c'est la professionnalisation. Donc des écoles dont les programmes sont faits pour développer les compétences des futures dirigeantes et dirigeants de demain. Donc la question que je pose à ce moment-là, et que nous posons avec Philippe, c'est de se dire, est-ce que la recherche produite par les grandes écoles aujourd'hui contribue à la qualité des compétences des futurs dirigeants? Alors, regardons un peu ce qui se fait en termes de recherche au niveau des grandes écoles. Pendant très longtemps, les grandes écoles de management n'ont pas fait de recherche, jusque dans les années 80-85. Et à partir de là, elles ont été obligées d'en faire parce qu'elles se sont confrontées au monde international et anglo-saxon. Les accréditations. Les accréditations, bien évidemment. Et il a fallu que ces écoles rentrent dans la recherche. Et il faut reconnaître aujourd'hui, quand on voit le nombre de grandes écoles de management de la conférence des grandes écoles qui ont la triple accréditation, on va dire mission remplie, mon général. Plus rien à démontrer là-dessus. Sur les écoles, on va dire, plus scientifiques, vous avez des grandes écoles, une école, par exemple, vous avez des écoles fondamentales, on va dire sciences fondamentales, c'est les ENS, c'est Polytechnique, et puis vous avez des écoles d'ingénieurs qui ont leurs gros labos, qui tournent très souvent d'ailleurs en liaison avec des entreprises. Donc il y a tout un dispositif, les grandes écoles font de la recherche, point final, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, la question c'est, est-ce qu'elle est conduite de manière à développer les compétences de leurs étudiants. Je dirais que Philippe et moi pensons qu'il y a une question. C'est-à-dire que si on est dans des recherches qui n'aboutissent qu'à de la publication dans des revues scientifiques, alors je le dis histoire de provoquer un tout petit peu, lues par leur comité éditorial, eh bien nous pensons que c'est une énergie perdue pour les grandes écoles. Donc, plus les grandes écoles iront en recrutant des professeurs qu'on ne mettra pas en face automatiquement des apprenants, et il y a des bachelors, il y a des masters, il y a la formation continue, ça c'est très dangereux, parce qu'elles ne rempliront pas leur rôle de professionnalisation. Par contre, je suis fondamentalement convaincu, et on le montre dans un article qui s'appelle « Péripatéticien », où on apprend en marchant, je veux dire, de l'école socratique à Aristote, on sait qu'il y a la possibilité de faire grandir les femmes et les hommes en les questionnant, en les amenant à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur mode de décision. Cette recherche à partir de l'action, à partir de la professionnalisation, à partir de qui vous êtes, cette recherche-là est importante. Et c'est pour ça que nous préférons, enfin moi je fais partie des gens qui préfèrent parler de contribution intellectuelle, où on va pouvoir valoriser le nouvel outil pédagogique comme un article scientifique de très haut niveau. Oui, revenons sur une diversité de l'intelligence, la diversité des intelligences. N'ayons pas un monopole plutôt anglo-saxon, plutôt pro-classement, et qui finalement va créer un phénomène de conservatisme, de mimétisme, qui est à l'opposé de ce que doivent être des grandes écoles, qu'elles soient publiques ou privées, ce n'est pas le sujet. Pour l'ensemble de cet éclairage, Bernard Beltante, Philippe Jamet, Dictionnaire inattendu des grandes écoles, un ouvrage à lire absolument et à conserver, parce qu'on va très longtemps s'y reporter. Merci infiniment, Bernard Beltante. Merci Jean-Philippe. We'll be right back.